L'homme qui se tenait devant eux était un géant, un vrai, un titan. Il comblait dans sa presque totalité l'embrasure de la porte. Sa longue chevelure noire, parsemée de filaments gris, lui couvrait les omoplates. Le bas de son visage s'ornait d'une moustache et d'un bouc de mousquetaire taillé au cordeau. Il n'avait rien d'un domestique. Et s'il était le gardien de la demeure, personne ne pouvait songer à en forcer l'entrée. Mister dépassait les 190 cm, mais il dut lever la tête pour s'adresser à lui. Il avala sa salive et dit « Monsieur Christie ?» Sa voix même parut fluette. L'homme ne répondit pas. Il posa sur l'un puis sur l'autre un regard aigu. Puis il s'effaça sur le côté afin de leur sceller le passage. Et ce fut dans ce mouvement que Mister remarqua l'une des manches de la chemise. Elle flottait. Elle était vide. Le bras gauche de l'homme manquait. La chemise était blanche. Bob réagit le premier. Il franchit le seuil et s'avança dans le hall. En passant près du colosse, il rentra imperceptiblement la tête dans les épaules. Mister lui emboîta le pas. L'homme referma la porte. Les murs du hall étaient blancs. « Nous sommes désolés pour le retard, » dit Mister. Il était sur le point d'en donner la justification, mais il leva de nouveau les yeux et rencontra de nouveau le regard de l'homme, et alors il ne dit rien. Ils gravirent sans s'arrêter plusieurs volées de marche d'un escalier en spirale. Le géant allait en tête. Sa main valide tenait la rampe tandis que sa manche vide balançait mollement, tel un drapeau en berne sous l'effet d'un vent ténu. Mister était sur ses talons. Bob suivait, avec une sorte de réticence qui n'était pas due à l'âge de ses artères. L'escalier débouchait directement sous la coupole, dans un vaste espace aménagé au sommet de la demeure. Les trois hommes émergèrent un à un. La salle se présentait comme un cercle parfait, inondé de lumière. Une grande baie vitrée en faisait le tour d'un seul tenant. L'horizon était partout, couvert à 360 degrés. Cette pièce était le domaine réservé du peintre, son atelier. Des dizaines de toiles s'agglutinaient le long de la cloison. Elles étaient posées à même le sol, sur leurs tranches, face au mur. Seules les armatures en bois étaient visibles, des châssis de différentes tailles. Les œuvres ne laissaient rien transparaître de leur nature. Peut-être que les toiles étaient blanches. Joseph Christie suait abondamment. Avant toute chose, il prit son mouchoir et s'épongea le front. Puis il se dirigea vers le centre de l'atelier, car bien sûr c'était là, au beau milieu du cercle, que se trouvait l'essentiel. Un imposant chevalet dressé sur ses trois pieds dans la lumière du jour. Un long voile noir le couvrait de haut en bas. On aurait dit la silhouette est flanquée d'un fantôme en deuil. Mister brûlait de savoir, et pourtant dans le même temps, il ne cessait de lutter pour en détourner les yeux. Mais aussi grand que fussent ses efforts, l'objet aimantait son regard. Alors, quand il vit Joseph Christie s'en approcher, il se raidit. Quand la main du peintre souleva le noir linceul, il retint son souffle. Et quand fut entièrement dévoilée la toile sur le chevalet, une brusque et puissante montée de larmes lui enflamma les paupières. Un long moment après, la voix du peintre s'éleva. « J'ai pensé que vous aviez le droit de savoir, » dit-il. Le tableau représentait encore et toujours la jeune femme, un portrait en plan serré. On voyait son visage, son cou, ses épaules, les lignes délicates de ses clavicules. On ne voyait qu'elle, pas l'ombre d'un corbeau dans les parages. L'affreux volatile avait disparu de la toile, et apparemment il avait aussi déserté le cœur et les pensées de Véranade. Comment expliquer sinon l'impression de profonde sérénité que dégageait la jeune femme? Nulle menace ne planait plus au-dessus d'elle. Nulle trace de peur ou d'angoisse n'entachait plus la surface mordorée de ses prunelles. Elle en était délivrée. Elle ne souriait pas, mais elle était calme et tranquille, ses traits juvéniles et reposés. Elle était désormais au-delà du mal. Elle avait dépassé le seuil fatidique et son regard disait « Vous ne pourrez plus m'atteindre ». Et Mister laissait couler ses larmes, car il comprenait qu'il l'avait perdue à jamais, lui comme les autres. Et il se consolait en sachant qu'en guise de compensation, la jeune femme avait enfin renoué avec la paix. « V comme Vera ?» demanda Bob en désignant l'inscription dans le coin de la toile. Le géant s'ébranla. « V comme Vukovar, » dit-il. « Quoi ?» fit Bob. « Vukovar, » répéta Joseph Christie. « C'est le nom d'une ville, » dit Mister. « La ville des chaussures, » dit le peintre. Des milliers et des milliers de paires de chaussures. Savez-vous que la moitié du pays peut être davantage portée des souliers fabriqués là-bas? Spécialité locale, tout comme les monuments baroques, autre spécialité.
des godasses et des églises. C'était vos covards. Qui s'en souvient? Que s'est-il passé à vos covards? Demanda Bob. Joseph Christie s'épongea le front. Rien de bien nouveau, dit-il. Rien de très original. La guerre. Vous parlez du conflit en ex-Yougoslavie? Appelez-le comme bon vous semble. Certains ont même affirmé que vos covards, à cette époque, avaient été l'enfer sur terre. Pour ma part, je refuse ces termes. Cela sous-entend qu'il y aurait eu là derrière une volonté supérieure. Ce serait rejeter la faute sur une puissance suprême, impossible à maîtriser, et en faire ainsi un acte inéluctable. Cette bonne vieille habitude de dire « ce n'est pas nous qui commandons, nous n'avons fait qu'exécuter les ordres ». Non, trop facile. Ceci était l'œuvre de l'homme, lui seul. Le petit homme avec son petit cœur et son petit cerveau, et ses petites mains, et son incommensurable ego. Le diable n'a rien à voir dans cette affaire, ni le bon Dieu. Ces deux-là ont laissé faire, sans doute. Ils ont pris leurs billets et assisté au spectacle, tout l'ado, dans leur gradin. Ils ont compté les points, peut-être, sans intervenir. Mais qui est intervenu? Le géant regarda les deux hommes, debout dans l'atelier. Ses yeux noirs s'étaient mis à luire, comme sous la fée d'un accès de fièvre. « Vous voulez des fées ?» lança-t-il brusquement. Il n'attendit pas leur réponse et commença à débiter sur un ton plus vif, plus âpre. Août 1991. Au nom de la Grande Serbie, l'armée fédérale populaire yougoslave est partie en campagne. Hommes et chars, l'armée est en marche. Vukovar se trouve sur sa route. Rapidement, la ville est encerclée, assiégée. Nous sommes sur les rives du Danube, à la frontière entre Croatie et Serbie. Le siège de Vukovar va durer 3 mois, 87 jours pour être précis. Des chiffres? Vous voulez des chiffres? 35 000. Là, à l'extérieur, tout autour, ils sont 35 000. Des agresseurs, militaires et paramilitaires, miliciens, mercenaires, vampires de toute espèce. Ils ont des blindés par centaines. Ils ont des chasseurs bombardiers, des hélicoptères de combat, des navires de guerre. Et ici, à l'intérieur, retranchés dans l'enceinte de la ville, ils sont 1200. 1200 combattants équipés d'armes légères. Le reste, ce sont des civils, des instituteurs, des plombiers, des conducteurs de bus, des fabricants de chaussures, des étudiants, des infirmières, des mères de famille et des enfants. Ils endurent, ils souffrent, ils tremblent, ils meurent. Ou bien ils survivent et résistent. 3 mois ils vont tenir, 87 jours. Terrés, enterrés au fond des caves comme des rats. Seuls les morts pourraient se tenir libres. Tous ces cadavres gisant au milieu des ruines qu'il aurait impossible d'ensevelir, car la ville est harcelée, pilonnée sans cesse par les tirs d'artillerie. Bombes, obus, roquettes, jusqu'à 800 projectiles par jour. 800. Une bombe toutes les 2 minutes. En 87 jours, Vukovar en aura reçu davantage que l'ensemble de la Yougoslavie durant la Deuxième Guerre mondiale. Ce sont les chiffres. Quand arrive la fin du siège, la population est passée de 45 000 habitants à 15 000. Ce sont les chiffres. Depuis longtemps, il n'y a plus ni eau, ni électricité. Plus de vivres non plus. Plus de munitions, plus de médicaments, plus d'espoir, ni d'illusions. Le 18 novembre 1991, Vukovar tombe enfin. L'envahisseur envahit. Les soldats de l'armée fédérale investissent ce qui n'est plus qu'un tas de décombres. Ils se déploient dans les rues crevassées, en foulant la boue et la poussière, le sang et les cendres. À leur côté, il y a les hordes. Il y a les tigres d'Arkane, il y a les rapaces de Goran Sotorovic, il y a les aigles blancs de Vojislav Seselje et les loups gris de Slobodan Milinković. Ils sont tous là et ils sont fiers. Ils ouvrent grand leur gueule et ils chantent « ce soir il y aura de la viande, ce soir nous truciderons les Croates ». Ils viennent en braillant achever leur besogne. Et derrière eux encore, les derniers à arriver, il y a les camions de la Croix-Rouge et les représentants de l'ONU, les émissaires du monde. Parce que le monde savait.